Je dirais la statue de crâne. Elle était où la statue crâne? Elle est pas là normalement? Ça devrait m'être utile. Ah bah voilà. C'est un peu nul ces énigmes des fois. Ok, on prend le pont, on y va. Enfin, c'est là ou là-bas? Non, c'est celui-là, non? Est-ce que ça va là? Document. Oh putain. Relique. Aïe aïe. Bonjour, pas un feu de camp? Ils ont plusieurs sites en Amérique du Sud. Si seulement j'avais trouvé cette carte plus tôt, je serais allé directement à Paititi. C'est pas faux. Oh merde, il y a un truc en bas, un coffre. Pas un coffre, un sac. Oh merde. Ouais, c'est pas grave. Là, on est juste en train de partir en fait. Je crois que c'est bon. Oula, 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 oula. On va pas recommencer le jeu. On aura tout. Prends cette clé. Je sais pas ce qui vient de se passer. Viens, je veux te montrer quelque chose. L'éclipse se rapproche. Lorsqu'elle sera là, la boîte voudra s'ouvrir. La tentation de la boîte est très puissante. Elle cherchera à m'attirer, à me tenter de ses illusions. Une solution simple à nos problèmes. Mais elle ne me montrera que mes désirs, mes secrets les plus forts. Je me prépare depuis toujours à la combattre. Amaru n'a pas encore vu la boîte, mais déjà son pouvoir corrompt son esprit. Paititi est un peuple qui ne survit que par notre volonté, tous ensemble. Donc, si Amaru recrée Paititi à son image, c'est comme s'il détruisait tout. Oui. Le monde extérieur est une menace. Mais le risque fait partie de la vie. Nous devons rester forts et fidèles à nos valeurs. Vous êtes sûr de pouvoir résister à ce pouvoir quand vous l'aurez? Non. Mais si toutefois j'échoue, le feu cramoisi me guidera en me rappelant ma promesse. Allons-y. C'est quoi le feu cramoisi? C'est ma destinée. C'est en rapport avec le sacrifice de Kukulkan. Quand le feu cramoisi fume, cherche ton miroir. C'est une force de responsabilité. C'est tout ce que je sais. Ces créatures, est-ce qu'elles viennent parfois par ici? Des créatures? Elles attaquent. Dans les grottes autour de Paititi, elles s'en sont prises au Trinitaire. Et près de l'hôtel où se trouvait la boîte, elles se sont jetées sur moi. Tu veux dire les Yashil? Des Yashil? Ils étaient grands, rapides, affamés.
On aurait dit désespérée. Je ne parlerai pas de créature. C'est bien plus que ça. Oui, et c'est quoi ? La clé que je t'ai donnée devrait fonctionner. C'était trop demandé. L'arrivée au Yashil. Les légendes sont nombreuses. C'était il y a longtemps. Mais Paititi leur doit en partie sa sécurité. Ils la protègent ? Je ne sais pas si c'est leur intention. Mais leurs actions ont cet effet. Ils n'attaquent jamais la ville ? Non. Nous vivons tous en bonne intelligence. Je crois qu'Amaru prépare un sacrifice public. Avec un rebelle ? Nous devons l'arrêter. Non. Pas sans préparation. Et pas au risque de perdre la boîte. Ouais, attends. Ouais, non, mais c'est bien ce que tu me racontes. Je peux pas sortir. Excusez-moi, je pourrais passer. Faut que j'aille à mon feu de camp. Non, je peux pas passer. Okay. Ça marche. Je vais tenter. Elle était pas une femme qu'il avait un très gros équipe. J'ai pas assez de place pour ça. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Là, j'avoue être un peu inquiet. Je voudrais bien un feu de camp. Suis-moi et fais ce que je fais. Les gens pourraient devenir agressifs. Par ici. Là, on se fait passer pour les ennemis, hein. Une prêtresse. Ils menacent notre sécurité et notre avenir. Leur chef, la traîtresse Unuratu, votre reine déchue, est ma prisonnière. Mais il n'est pas trop tard pour la sauver. Aujourd'hui, nous offrons un sacrifice à Kukulkan pour qu'il nous protège de l'éclipse qui approche. Avec ce sacrifice, la vie de ce rebelle sera sauvée. Que ses camarades voient la lumière et nous rejoignent. Amaru dit qu'il veut mettre un terme à la violence. C'est un moyen pour parvenir à ses fins. Manque de sang. Il y en a un peu. Viens. Par ce sacrifice, ce rebelle vient dans notre sein. Et tous ces gens croient en lui. Ils ont peur. Et ils ont raison. Ils ont pas l'air d'avoir peur. Ils ont l'air d'être contents. Je vois vraiment pas pourquoi on les aide. Ils ont l'air d'être plutôt jouasses. Viens. Halt. Les yeux des innocents cligneront à l'aube quand la faiblesse disparaît. Vous pouvez y aller. Mais dis-moi, tu as un fort accent anglais. Tu n'es pas d'ici. Oui, parce que normalement, elle devrait parler anglais. C'est une anglaise. La tombe est là-haut, sur cette statue. Je vais surveiller la porte. Ce sera pas long. Sauver le monde, c'est vrai. On approche de la tombe de l'empereur. On est près du fleuve. Paré à vous récupérer, Unuratu et toi. Dis-moi quand vous serez prête. Sans déconner, donne-moi un feu.
de camp. C'est quoi ça? C'est des pics? Non, des fleurs. Je crois que c'était des pics qui sortent. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Il y a une fresque quelque part. Je ne sais pas où elle est ta fresque. Elle est où ta fresque? Lara! Ah ah! Elle doit être là-haut, je pense. On fait un peu le tour avant de faire ce qu'on doit faire. Prends! Ok, il n'y a rien. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Faut monter sur la statue à droite. À gauche, j'ai vu qu'il y avait un rebord qui manquait, peut-être à gauche. Là. Ok. Une chance dans l'eau. Ok, c'est parti. Bon ben, hein, par là. Au moins si on tombe dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi là? Qu'est-ce que tu veux? Fallait pas sauter, c'est ça? Non, fallait pas sauter. Tu veux pas monter? Ah, monte là. C'est d'Alpha. Je peux entrer par là. Si tu le dis. Ah, c'est bon. Ouh. Lara, et où? Dans la tombe de l'Empereur. J'ai presque terminé. On sera prêt. Non, sans déconner, mettez-moi un feu de camp là, parce que là ça devient absurde. Là, ça devient absurde. Cet hôtel est très raffiné. Ça devait être un monarque important. Putain, je vais crever, quoi. Je suis tellement crevé d'un piège. Du dernier empereur.
Le culte a dû se développer après sa mort. Ok, l'éclipse et le héron. Qu'est-ce qui manque ? Mais c'est Lopez qui a laissé ça ? Le cœur du serpent est dans la coupe. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, non. Ici ! Comment t'as... Comment t'as fait une flèche ? Comme ça ? Pas possible. Bam ! Et voilà ! Une personne intelligente qui utilise une arme à feu. Enfin. Ici le commandant Rourke. On a une piste pour la boîte. Vous trouvez Croft ? Bien joué. Chapeau. Unuhatu. Donne ça à Edsley. C'est l'héritier légitime. Il doit régner sur Paititi. Il est jeune. Mais fort. Son esprit aussi noble que son sang. Tenez bon, restez avec moi. La boîte. Elle va t'attirer. Résiste. Nous créons tous notre destin. C'est la première fois qu'on voit de... genre des gouttes d'eau, de la sueur et tout sur le visage de Lara. Ah là, elle est morte, c'est triste. Combat. Combat. Bœuf. Ah mais ils savent où je suis. Je suis là. Oh là, elle veut utiliser des armes. Putain. Quoi ? Tu m'expliques comment le mec s'est pas pris la première cartouche ? La session se passe mieux, mais il y a des conneries comme ça, c'est un peu débile. Oh putain, la feuille. MCS le Akobo, Patrick Inhanilik. C'est qui ça là-bas? Pourquoi le mec il vient exactement où je suis, bizarre. Les autres ils sont trop loin pour me voir. Ce qu'on va faire c'est ça, on va s'amuser un peu.
merde. Ça pète pas ? Putain. Qu'est-ce qui se passe ? Lara, accroupis-toi. Pourquoi tu te lèves, Lara ? Ah, ils ont trouvé le cadavre. Boum, 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 vas-y. Non, va là-bas, au fond, au fond, au fond. D'accord, ok. C'est quoi cette téléportation? Allez, bienvenue. On nous vend à l'époque moderne. Vous m'avez gavé. Elle a perdu son casque. Elle n'a même pas vu. Ça fait partie de leur leurs habilités, c'est ça ? La téléportation. En fait, je pense que j'aurais pu tous les tuer en infiltration. Tout est plein. Je peux plus rien au prendre. Début, j'ai voulu combattre, mais je crois que j'avais pas vraiment besoin. Impossible. Je peux plus rien transporter. On a le Uzi maintenant. Non, impossible. Je pourrais le tester. Transporter. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Je voulais qu'ils aillent voir les cadavres en fait et qu'ils explosent dessus. C'est plutôt classe. Jonah, où es-tu ? Je suis sur le quai. Je te vois. Hey, on est prêt à partir. J'arrive. Trinitaire. Elle est morte en les combattant. Oh non. Oui. Oh non. Où est ma mère ? Ah. Ta mère, elle s'est battue. Mais c'est l'amulette du monarque. Maintenant, elle est à toi. C'était une guerrière. L'éclipse se rapproche. Si nous ne resterons pas le soleil... Je trouverai la boîte. Je ne laisserai pas faire le culte de Kukulkan. Commencez les préparatifs pour la chambre funéraire. La reine Unuratu vivra dans notre cœur. Ushu, aide-les pour le bateau. On va se préparer au combat. La rébellion doit gagner. On viendra avec la boîte. Je vous conseille quand même d'utiliser des armes à feu. Bonne chance. Nous serons prêts quand vous reviendrez. On fait quoi maintenant ? On rentre à Kuakiaku. On fait le point, puis on verra. Ah ah ! Retour dans la jungle, j'aime bien ça.
Tout ça pour une nouvelle énigme. Ça disait quoi ? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Bon. C'est toujours mieux que rien. Je suppose. Il faut trouver la boîte pour régler ça. C'est toujours mieux que rien, ça vaut quelques morts, c'est pas grave. Bon, ça va. Qu'est-ce que c'est ? Je commence à aimer les trinitaires de plus en plus, hein, perso. Qu'est-ce que je vois là ? Ah ! Ne bouge pas ! Ne cherchez pas ! Tu lui as touché les fesses ! Allez par là. Lara est une tueuse. Ce genre de scène badass, où c'est qu'elle se con, elle s'énerve, qu'elle tue les gens. Alors, je suis toujours pas entièrement convaincu que la boîte existe. On n'a plus d'armes, on n'a plus rien. Ça aurait été mieux si elle avait pas déjà tué 150 000 personnes depuis le début du jeu. Mais bon, après, hein, goût et les couleurs. Y a rien dans ce secteur. Te décroche pas du mur, je suis juste en train de regarder s'il y a des gens. Tada. Avance, stop, attends, plus vite. La vie d'un soldat. Dépêche. Voir ça. Quoi de neuf, chef ? Ça donne quoi ? Rien à signaler. Y'a rien par ici. Je sais pas combien j'ai pas vu. Pourquoi on est si passé ? Que je dois chercher un truc qui brille ou bien qui bourdonne. J'ai hâte de la voir, cette fameuse boîte dont tout le monde parle tout le il temps. Il y a deux mecs en face. Est-ce qu'ils vont pas voir si j'attrape lui là ? Il devrait pas tarder à revenir. Ok, j'espère. La dernière fois. Je crois qu'on a regardé ici. Ici et peut-être ici. Tu t'en rappelles comme moi ? Il est occupé avec sa carte, ça va. Oh merde.
merde. Oh merde. On se buff, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est pas à sa place? Je sais pas, approche. Viens vérifier. Où t'es passé du coup? Où t'es passé du coup? Eh, viens voir! Approche! On m'avait dit que je partirais chercher une boîte magique. Juste me refaire ça. Faut voir s'il n'y a pas des mecs cachés quelque part. Il n'y a rien dans ce secteur. C'est un cul-de-sac. Pourquoi on est si pressé? Si je mets le fumigène, est-ce que je vais pouvoir les backstab en fait? C'est ça que je me demande. Est-ce que je vais pouvoir les backstab dans la fumée? Si on m'avait dit que je partirais chercher une boîte magique.